Non, mais c'est faisable en une semaine, mais faut avoir du temps. Bah après, c'est vrai que... Enfin... ouais, c'est bon, il me reste encore 1600... non, 16 000... 19 000... Ouais, 600? Ouais, c'est ça, ouais. Bon, je fais un petit bonjour, un grand bonjour à mes followers, à ceux qui veulent nous... qui vont venir nous suivre aujourd'hui, hein, en espérant que on ait autant de visites qu'hier. Qu'est-ce qu'on se fait en attendant? On se fait une acte ou... Ah, un joueur a rejoint. Je pense que c'est bon, Zarox va nous rejoindre pas longtemps. J'attends. Est-ce qu'on se fait du... Non, il y a déjà les mouches qui arrivent ici. Bon, je dis à tout le monde, voilà, les mouches arrivent. On n'est pas en été. Elles survivent. Alors, eh ben le v'là, ça y est. Si, il est niveau Parangon 33, donc c'est super, Zarok, c'est génial. On va pouvoir jouer ensemble. Donc Zarox, si tu m'entends, n'hésite pas, vu que tu n'es pas dans le mode partie, si c'est plus pratique pour toi, à communiquer avec moi, ou avec mon autre coéquipier, via le chat, hein, du stream. Hein, n'hésite pas, de toute façon j'aurai une notification de message à chaque fois dans mon truc. Ouais, je te vois. n'hésite pas à laisser un message, hein, si tu veux proposer une activité. Hein. Voilà, n'hésite pas. Qu'est-ce qu'on se fait? Est-ce qu'on fait du loot? On se fait du loot avant? Ou on se fait du... de la gemme? On se fait une faille Néphalem. Donc Zarox, on va faire une faille Néphalem. Si t'es ok. Vu que t'as 33. Merde, c'est pas au règle qu'il faut parler. J'ai une clé dispo. Donc là, j'ai ouvert. Zarox, je sais pas ce qu'il fait, Zarox. Il est parti où? Alors, Zarox, je vais pas pouvoir t'intégrer dans la partie. Je peux pas, parce que j'en ai déjà une. Je crois que je peux pas... C'est pour ça que je t'invitais à ouvrir le stream. Pour que tu puisses nous écouter. Je pense pas que je puisse te rejoindre. Je vais essayer pour voir, hein, mais je pense pas. Je reviens. Mais à mon avis, je vais pas pouvoir rejoindre ta partie. Voilà. Alors, je peux pas rejoindre ta partie, Zarox. Je confirme, vu que je suis déjà dans une partie privée. Donc c'est pour ça. Je préfère qu'on fasse avec le stream. N'hésite pas à confirmer sur le chat, hein, si t'es ok. Alors, comment ça se fait qu'on est déjà à 1%? Ça va, mais je sais pas à combien on est. Déjà un niveau par angle pour Zarox. C'est nickel ça. Il a bien évolué aujourd'hui. Par contre, je pense pas qu'on va changer la difficulté. Je crois qu'on est en tourment 5. Je crois qu'on va rester en tourment 5. Hein. Pour éviter de se galérer. Ouais. À voir après. Si on meurt pas trop à la rigueur, pourquoi pas. T'as des squelettes? Attends, j'ai pas vu. C'est où? Je l'ai vu. T'as des squelettes?
Ah ouais. Ah super, faut que je fasse attention. J'ai pas fait attention. Hop, on est en deux. Ça va être le bordel. C'est ça qui est bien, à 3 il y aura beaucoup plus d'animation. La jauge monte bien hein. Donc là, en fait, ce que disait Zarok, c'est un moine, hein. Je préfère te le dire. Donc c'est bien parce qu'on a une équipe qui est vraiment homogène. Enfin, hétérogène, je veux dire. On est comme ancien sorcier et moine, c'est super, quoi. Oula. Il y en a qui a explosé. La terre. Ah, ça fait de la verte. Youhou. Non, il a même pas besoin. En compte, il a même pas besoin d'être en soutien. On a même pas besoin de venir le soutenir. Il débrouille bien, Darox. Il est 33 par an. Au niveau de la difficulté, soit il a un bon stuff. C'est très très bien. Ça, c'est cool, ça. Alors. Il y a encore des petits lasers. Ouais, des petits lasers, des éclairs. Un beau spectacle son et lumière. Salut DM Zarox, je pense que c'est toi qui joues avec nous en ce moment. ouais, bah à la rigueur, si tu peux passer par cet intermédiaire là, et voilà, on peut ça. Si vraiment on va trop vite, on peut faire des petites pauses le temps que tu écris un message. Ok, nickel. Super. Ça va être plus pratique pour nous pour se parler. Mais n'hésite pas à dire hein, si vraiment on va trop vite et que tu veux nous adresser un message. C'est vrai que nous, des fois, on a tendance à bourrer, bourrer un petit peu dans le temps. Ouais. On est un petit peu des gueudins des fois. Après, tu débrouilles très très bien Zarok. T'es pas mort une seule fois, malgré la difficulté qu'on est, parce qu'on est quand même tourment 5 ici. Déjà mort. Il est déjà mort. J'ai pas touché, hein. J'ai pas touché, vous l'avez fait à deux. Le boss, ouais. Le boss, je sais pas, vous l'avez niqué à tous les deux. Hein. C'est pas, moi, j'ai pas touché. Je suis arrivé, j'ai pas la tronche, je l'ai pas vu. Par contre, mon loot, je l'ai pas récupéré. J'ai pas eu le temps de récupérer, loot. Un petit percepteur. Je crois que Zaron s'est parti en ville. Dommage, il y avait l'argent qui nous attendait. Ouais, bon, bah il a validé la quête, c'est pas grave. Ouais. On te rejoint en ville, hein, Zaron. On finit juste quand on a des ennemis là qui vont nous attaquer, de toute façon on va avoir terminé, on va se faire éjecter, il reste 17 secondes. Allez. Ah voilà, enfin.
Voilà. Bon. Nickel. Bon. Là, on va pouvoir voir ce qu'on a récupéré. J'ai un truc légendaire. Putain, la vache. Mieux que tout à l'heure. Mieux que l'autre. En plus, j'ai une chasse. Vous ne pouvez équiper un objet de ce type. Pourquoi? Ah, la baise. J'ai un anneau, je peux pas me... Si, je peux le couper. Ouais, non mais en fait je sais pas. Parce qu'en fait je crois que j'avais le même en fait. Je peux pas porter deux fois le même item. Alors, j'enlève. Ah bah de rien, Zarox. Meteor, je pense que tu vas pas finir Paragon. Tu vas remonter un petit peu plus encore aujourd'hui. Donc je pense que là tu vas prendre un petit peu de level. Merde, évidemment. Donc ça va être intéressant. Merde, c'est quoi que je voulais enlever? Un cadeau? Oh, super. C'est quoi la chasse? C'est une chasse... Enlever. Ah ouais, j'ai reçu un truc. J'ai eu la petite musique. Hop. Alors... Zarox, en fait, ce qu'on fait, on prend notre temps. Hein, c'est pour ça. On prépare un petit peu notre... notre stuff pour les prochaines. Ton inventaire est plein. J'ai reçu un truc. Ouais, j'ai reçu un cadeau. Eh, je crois que tu m'as filé un truc légendaire. Et c'est la même chose, réticence. Ok, nickel. Bon. Eh ben, on se prend toujours quelques minutes. Bah, au final, Zarx fait pareil que nous. Hein, il est en train de gérer son équipement et c'est le principal. Qu'est-ce que je peux. C'est vrai que c'est chaud à gérer quand même. Hein, faut... Et c'est vrai que Kikuyu nous avait donné un site. Hein, et... faut qu'on y jette un oeil des fois. Je l'ai mis dans mes favoris. T'as pas vu son site pour l'instant? D'accord. Je peux pas extraire un pouvoir légendaire. Alors, améliorer un objet rare, je peux pas. Je peux pas faire de la conversion. Je peux rien faire. Je peux rien faire du tout. Bah, je vais améliorer mes parangons. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous balancer la machine des sables? Avoir besoin d'un nouvel objet à l'utilité. N'oubliez pas, la chance finit toujours par tourner. Ah, faut peut-être que je réponde des trucs. Ok. Ah, c'est ballot ça, je peux rien faire. C'est ça qui est pas marrant au final, c'est récupérer les... Récupérer. Alors qu'est-ce que j'ai en puissance? Tu veux parler de la force? En force, je suis à 398K. Et 77 par défaut, mais je suis à 398. De toute façon, tu peux regarder dans groupe. Quand tu vas dans groupe, faut qu'on se rapproche par contre. Attends, je vais me rapprocher. Je vais me rapprocher, tu vas voir. Et tu vas sur mon perso quand tu fais le pavé tactile. Tu peux aller après. Normalement. Tu peux aller dans mon perso et tu peux le voir. Ouais, je confirme. 187K. Nickel. Par
contre, en dextérité, t'as une sacrée dextérité. Et même en 19 000 K en bouclier, c'est pas mal. Ah, quoique. Ah non, peut-être, ouais, faudrait peut-être améliorer ta protection. Bon, moi, ça devrait le faire. De toute façon, on va pas faire des trucs trop forts. Bah moi du coup je vais être ok pour faire qu'est-ce qu'on se fait, on se fait une faille supérieure ou on se fait une faille supérieure à ce moment-là on peut faire une faille bah tourment 5 pour commencer. Après je sais pas, ça que nous c'est plus au niveau des trucs c'est au niveau ou 6. Ah attends, je vais regarder La 25 c'est tourment 6. Après c'est vrai que Zarox il est mort qu'une fois, c'est au moment du boss. Donc on peut essayer la tourment 6. Et puis on fait la niveau 25. C'est plus. Ouais, ça lui fera de l'XP en même temps. Mais après je débrouille bien, donc ça va. J'ai lancé une faille tourment 6. Mais. Non il est mort qu'une fois donc ça va, hein, sachant qu'on est tourment 5. Je vous souhaite bonne chance, héroïne. Ouais, bonne chance. Un adversaire intéressant. Oh la vache. Ça envoie du lourd, hein, quand même, hein. On voit en fait Zarox au niveau attaque qui est pas là on va quand même assez vite. T'as vu la jauge? Ouais non mais voilà ouais, c'est ça hein, quand on est 3 sinon ça va plus vite. Et puis ouais ça va c'est 4. Il a une faible de défense mais en fait déjà. Attention. Ouais, je t'invite après avec les coups de salut, ça va être un petit peu dans partir. Ouais mais je te dis Zarox il a une belle attaque. Tu crois qu'on les déglingue comme ça? On est quand même pour moins 6 hein, donc hier on avait du mal. Ouais bah c'est. Ouais il a un peu il a un peu de mal par contre. Parce qu'on fera des failles pour moins 5 après je Zarox. On va peut-être même faire des actes, ça se trouve, parce qu'on a besoin de loot. On va voir. On a le mentor qui va venir nous parler, ça se trouve, okay. Et on va baisser, on finit la vague là. On fait vite. Ouais, comment on avance. Je ne sais pas comment aller y arriver autant.
t'as à faire gaffe. Ouais. J'ai failli, j'ai pris cher. Ouais, bah oui, on avance trop vite là. Par là peut-être. Non, c'est un cul-de-sac. Oh, attends, on va voir. Zarox, là. Ouais, si, t'as peut-être raison, Zarox. C'est peut-être par là-haut. Il y a une zone qu'on n'a pas vue. J'ai même pas le temps de m'approcher d'eux, quoi. Ils sont morts direct. Merde, c'est par où? Non, ouais, c'est sous, faut qu'on redescende maintenant. Bon, faut qu'on redescende. non, c'est un bug. Ouais, c'est un bug, hein. Je sais pas si Zarox le voit, mais nous on le voit et c'est un bug, j'ai l'impression. Oh, on va vite. Ouais, c'est ce qu'on a un petit peu en retard quand même. Je sais pas si on va la piquer en temps et en heure, hein. Fight au moins 6 quoi. Par là. Ah, tac. Alors là on a de la défense, c'est pratique. Comment ils sont. C'est aussi long, comment on est comme des. T'as vu comment on les tue en one shot quoi. Ah ouais. Objectif 500 hein, ils vont pas rendre. De toute façon, ça va sortir. C'est un truc sympa. Voilà. En plus, ça. Ah, c'est facile de voir. Ah, la vache. Le truc de malade, hein. Bon, bah, nickel. Bon, on va pouvoir parler à l'artisan. Et tout comme Orek, j'ai jadis. Il y a plus de boss, ouais. on est surpris aussi nous, Zarox. Hein. On n'a jamais vu ça. Ouais. Ah oui, bah, des chances. De toute façon, j'ai invité. Kikunoub, là, je finis ça là. Il va nous rejoindre dans la partie. Je cherche pour pas la faire. Je vais couper mon monte un petit peu sur un petit court terme le stream là. Juste inviter notre mentor. Alors, inviter des joueurs. Voilà, tac. Alors, hop, et voilà. Là de retour. Tac. J'ai encore les mains qui transpirent, c'est énorme. C'est hallucinant. Salut Kikunoub. Ça va? Ça va bien et toi? Je dois rentrer en ville. Alors, 206K de puissance, Zarox, bah nickel. Franchement, t'as. Je retourne en ville. Alors,
Qu'est-ce que je voulais voir, moi? Je suis en train de me refaire un personnage sur un autre compte. Donc après, je t'enverrai une demande d'amis, comme ça on pourra jouer ensemble. Ah yes, bah ouais, en plus on a une place en plus. Donc ouais, pas de soucis. Pas de problème. Mais j'aime. Tu veux les améliorer? Oui, oui, oui. Alors tu vas être dégoûté, hein. 2 de 70 à. 2 de 70 à. Et où ça. Ça a marché? Ouais. J'ai une chance de cocu. Eh oui, j'ai un arche. C'est une chance de cocu. Alors moi ça. Faudrait que je vois, moi c'était plus. Mince, moi ce que je voulais voir, ce qui manque, ce que m'a donné Kikou tout à l'autre jour, c'est les poignets qu'il faudrait que j'ai dans la même classe que Inarius. Ouais, les poignets tu auras pas en Inarius. Ah bon? Ouais. Parce en fait, que t'as 5 pièces, t'as les gants, t'as la cuirasse, ouais. Les pieds, la botte, les pieds et le pantalon et la tête. Pantalon, la tête. Ouais, en fait, parce que tu pars, quand tu pars de l'amulette pour redescendre sur les bagues, ça c'est à part, tu reprends en 7. La ceinture c'est pareil. D'accord. Donc ce qui est, ouais, tout ce qui est amulette jusqu'aux bagues en fait, plus le sac en fait, ça... j'aurais pas sur Inarius quoi. C'est ça. Là, bon, donc, j'ai fini de me faire mon personnage 70. Je suis en train de transférer mes équipements sur mon personnage. Ouais. Je m'envoie quelques ressources et puis après Ouais, pas de problème. De toute façon, nous on est en train de on est en train de faire notre stuff là. Par contre, c'est vrai que bah, ce qui manque, c'est les justement, c'est les outils de craft pour améliorer. Ça c'est quand tu fais tes primes. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de primes. Ouais, je pense que. De toute façon, c'est peut-être ce qu'on va faire là parce que. Merde. En fait, on n'a pas fait beaucoup. Ce qui est bien pour les primes, c'est qu'il faut faire chacun de votre côté. Et savoir trop. T'as pas besoin de. Comment dire? T'as pas besoin d'être à deux pour faire les primes. Si tu veux, toi Kevin, tu vas d'un côté, lui il va de l'autre côté, et puis d'accord. Vous avancez. Chacun sur un acte. Comme ça, à la fin, ben, ce qui vous rapporte des ressources, c'est quand tu valides auprès de Tyrell. D'accord. Voilà, donc tu fais tes 5 primes, une fois que tu as fait tes 5 primes, tu retournes au village, tu parles à Tyrell, et c'est là que tu valides quoi. Ouais, bah, ce qu'on va faire ça. Zarox qui niveau 48 par en bon. Bah, je t'avais dit, hein, tu vas monter un petit peu plus. Il passe de niveau 33 à 48. Par contre, est-ce qu'on peut changer. Dégâts d'épines, ça c'est surtout pour. Comment. Pour moi. Croiser barbare. Est-ce qu'on peut changer par contre si on fait chacun de notre côté les actes on peut pas paramétrer la difficulté hein, c'est la difficulté pareil pour tout le monde. La difficulté c'est pareil pour tout le monde ouais. D'accord ok. Parce que là au final bon je sais pas s'il va pouvoir faire tout seul ou pas ou alors on sera là. On peut être deux joueurs un joueur ou ouais tu peux faire deux joueurs un joueur donc par d'accord. Exemple si lui il arrive très bien tout seul de son côté. Il va tout seul et puis toi tu le prends avec toi comme ça il prend l'XP avec toi. D'accord. Et okay, il peut te ouais. Suivre, te donner des coups de main. Ouais. Parce qu'au pire ouais on peut faire ça comme ça. Hein. Zarox, ce qu'on va faire, on va faire des actes donc sur le point central là. Soit c'est comme tu le sens, on va faire un peu pour gagner du temps, on va faire chacun de notre côté un acte pour gagner du temps. C'est toi qui vois, soit tu fais un acte tout seul ou soit tu viens bah, soit avec moi soit avec mon coéquipier pour
Bah pour éviter que tu te galères de trop quoi. Bon après t'es niveau 48, sachant que je vais te confirmer quand même la difficulté. On est tourment 5. Donc c'est toi qui vois, tu peux nous prévenir à la rigueur sur le chat. Dire ce que tu veux. Il a pas de casque. Si, mais pour des raisons un petit peu, je vais t'expliquer ça après. Pourquoi il est pas avec nous dans la partie aujourd'hui. Il peut pas. Enfin, j'ai dire ça en privé si tu veux. Dire ça après. Ouais, tu m'envoies un message privé. Y a pas de souci. D'accord. Eh bien, tu me dis, soit c'est avec moi, si tu veux le faire avec moi. Et puis, à ce moment-là, on fait ça à 2 sur 3. Donc, on va commencer par l'acte 1. Acte 1, toi, tu veux faire quoi ? Champ de bataille, donc... Champ de bataille ? Ouais, il y a champ de malheur, val plaintif. Après, comme je t'ai dit, hein, vous êtes pas obligé de faire tous les deux l'acte 1. Oui, mais pour... Il y en a un pour... qui peut être sur l'acte 1 et l'autre sur l'acte 2. Mais pour collecter, ça va être plus rapide après, quand on va voir le... Bah, en fait, si tu préfères, c'est une fois que tu as fait tes 5 primes. Oui. Déjà, quand tu fais ta prime... à la fin t'as ton bonus, donc ils te disent victoire, t'as tant d'XP avec argent. Ça sera pour tout le monde, même si tu la fais pas, tu l'as. D'accord. Donc ça c'est déjà bien. Et quand l'autre il est sur l'acte 1, l'autre il est sur l'acte 2, dès que vous avez fini vos 5 primes, vous parlez tous les deux à Tyrael et il valide et vous avez chacun votre don. Donc celui qui a fait l'acte 1, il aura l'acte 1 et l'acte 2. Celui qui a fait l'acte 2, il aura l'acte 1 et l'acte 2. D'accord, ok. Par contre, quand vous faites le boss de fin, enfin le boss de la prime, prévenez l'autre. Comme ça, quand tu envoies, par exemple, le roi squelette, tu dis, attention, j'envoie le roi squelette. Si l'autre, il a pas fini sa prime, il fait rond pour refuser. Donc le roi squelette, tu vas te tuer tout seul. Le roi squelette, à la fin. Ouais, il n'y a pas de boss. Enfin, t'as toujours un boss à faire dans les primes. Oui, d'accord, ok. Bon, bah sinon on va faire comme ça. On se fait acte 1, acte 2 du coup, pour éviter de... Ouais. D'accord, ok. Donc Xarox, on va faire l'acte 1 ensemble. On se garde salle de l'agonie niveau 3 à la fin, parce que c'est le boss. Et puis on va récupérer le mieux. Le mieux, si vu qu'il m'entend moi par rapport au live, oui. Le mieux c'est tu vas directement sur la prime et lui il se met par rapport à ton drapeau, il fait croix et rejoint. Comme ça il sera directement avec toi, t'as pas besoin de lui signaler, je vais à la prime à tel, et il est directement, il sera avec toi. D'accord, dans l'acte 1 il me verra, ok. Bon, je lance le potion du malheur. Et puis voilà quoi. Quoi ? Ouais. Donc Xarox, je t'attends. Je vais t'attendre et puis on va continuer. Je t'attends pour commencer ensemble. Voilà, nickel. Bon, allez. T'es ok ? On y va ? On va y aller. Alors, c'est la flèche jaune qu'on devrait trouver. La flèche violette. Pas forcément. Ah, il y a un piège. Oh là. C'est bon. C'est pareil. Pour l'instant, tiens, elle est là, la flèche jaune, elle est en bas. Par contre, au niveau stuff, on va gagner pas mal.
Alors c'est en bas, hein, Xerox, faut aller en bas. La flèche, elle est vers le bas. Faut aller vers la flèche 2, là. Je sais pas si tu l'as, moi je l'ai, donc c'est pour ça. Parce que sinon, ta faiblesse te perdra. Tu peux pas réapparaître là? Au moins 5, tu galères. Ah, bah, sinon, on va les tuer. Au moins 4. Après, tu vas vite évoluer avec les parangons. Si vraiment tu te galères trop, on va baisser, on va mettre en 4. Après, l'idéal, ce qu'il faudrait, c'est qu'on soit tout le temps ensemble pour éviter que pour que je sois en soutien avec toi, quoi. Je sais pas où est-ce que tu es. Il vaut mieux que je sois en soutien avec toi. Un petit peu là, parce que sinon, vas-y, recule, parce que les trucs blancs là, ils te congèlent, ils font mal. Je crois qu'il faut qu'on aille là-haut, là, il y a un petit point d'exclamation, mais je sais pas si c'est là. Ah si, ça a donné de l'XP, ça. Mes terres sont sauvées, soyez bénis. Je sais pas si tout le monde a eu, du coup. T'as eu aussi? Non. Non, j'ai pas eu. Non, moi j'ai pas eu. Enfin, j'ai pas fait attention en fait. Ou alors j'ai appuyé sur la croix et puis Ah, fais attention. Ah, il est costaud celui-là. Il est costaud celui-là, faut pas trop s'en approcher. Ça des attaques à distance. Ça va être méchant celui-là. C'est des sens. Et puis là en plus, il m'envoie à chaque fois valser. Voilà, c'est bon. Tac. T'as récupéré tous les équipements qui étaient par terre là, Xerox. Alors après, si on a fini, on retourne en ville. Si t'as des choses à récupérer, n'hésite pas. Puis après, on retourne en ville. Ok, bon allez, bah on fait droite du coup, tu fais droite pour retourner, bah de toute façon tu sais, j'ai pas besoin de tout apprendre non plus. Voilà, ça s'en fait un déjà. Si tu veux voir des trucs, réparer ton équipement notamment,
N'hésite pas, là je te laisse quelques minutes. Même affecter tes nouveaux niveaux de parangon par exemple. C'est bon, t'es ok? On va pouvoir en lancer un autre? Parce que là, je pense que... Alors, bah on va faire le vol plaintif. Laser. Oh. Alors, reste auprès de moi, hein, vu que ton niveau, tu te galères un peu. Reste auprès de moi, hein, Zarox. Tu vas moins mourir, et comme ça, si jamais tu vois que ta barre de santé elle diminue fortement, tu te mets en retrait et c'est moi qui mange. J'ai plus. Je peux plus encaisser que toi, donc n'hésite pas. Après, le corps à corps, des petites blessures comme ça, je pense qu'il n'y a pas de soucis. Mais les gros, faut vraiment faire leur carte. Et ouais, si on s'est parti, forcément, tu laisseras ta peau, quoi. Enfin, ton personnage, il laissera ta peau. Et là, c'est là les gros tests par exemple, c'est un peu long. Si t'as des attaques à distance, n'hésite pas à les utiliser. Oh la vache, même moi je prends. La peine de pas rendre. Tac. Il y a des petites bestioles là. Comme ça, c'est... Ah, on a la flèche jaune, c'est bon. Là, c'est pareil, ces petites bestioles là, c'est pas trop compliqué du problème. Nickel, ça y est, on a réussi. On va tuer les derniers qui restent, on va pouvoir retourner en ville. Allez, on va retourner en ville. Toc, bon. Ah bah tu vas me remercier tous les 10, de rien. N'hésite pas à améliorer tes parangons, justement, tu vas voir, ça va aller beaucoup plus facile. Là, je crois que t'es mort qu'une seule fois, hein. Donc ça va mieux, hein, tu vois, j'ai même pas changé la difficulté. Donc n'hésite pas, ouais, faut réparer surtout ton équipement. Hein. Mais normalement, il n'y a pas de souci, tu vas mieux y arriver après. Non, j'ai rien eu moi. Que dalle. Après, je sais pas, Zarok, si t'as eu quelque chose. Parce qu'apparemment, mon coéquipier a eu quelque chose. Mais je pense que quand on.
Je pense que on a rien puisqu'on n'est pas dans le même truc. C'est faut qu'on soit dans la même. Ouais, je pense, ouais. Parce que faut qu'on soit vraiment dans la même salle, enfin dans la même zone. Je sais pas si... Ah, tu m'as pas fait les parabons, tiens. Toc, allez. Bon, même stratégie, on reste très bon bout. Ça marche bien. Eh mais toi t'as des lasers, moi j'en ai pas, on a pas eu un seul. T'as pas de bol. Hein. Non, on a pas eu de laser, mais je pense que c'est parce que t'es dans l'acte 2, c'est pour ça. Je sais que c'est galère et ouais on est souvent 5. Après faut le dire hein, si tu veux qu'on change la difficulté. Le loot sera moins intéressant mais on se galère vraiment aussi. Hein. À récupérer mais normalement c'est les souvenirs sont bons. Le fond peut-être ça peut changer. Ça va être plus en bas. Ouais c'est un cul-de-sac, ouais, c'est bien ce qui me semble. Je sais pas s'il y a des trucs là, mais faut qu'on aille plus bas, par là. Ah merde, ouais ça y est on est là-dedans. Attention les lasers. Ouais on en a, ça y est, les premiers lasers. Mais. Ça fait mal hein. Là. Ah putain, bah je suis mort. Je suis mort. Ah, c'est des lasers, en fait, c'est une plaie, hein, les lasers. Voilà, toc. Ah vite là d'un coup. Ouh, t'as eu du bol, Jarox. Tac. Tiens,
Hop, une petite arme. Ah non, je suis pas en vacances, moi. Non, je suis pas en vacances. J'aimerais bien être en vacances, mais non, je suis pas en vacances. C'est-à-dire, je suis en week-end, quoi. Ouais. J'ai un boulot bien particulier. Qu'est-ce que j'aimerais être en vacances? Allez, je te suis. Ah, hop là, nickel. Alors, c'est par là qu'il faut qu'on aille. Est-ce qu'on a fini? Oh, est-ce que je peux voir ça? Est-ce qu'on l'a fini? On l'a fini, on peut retourner en ville, hein, Zarox. Je dois rentrer en ville. Tac. Bon, bah voilà, nickel. Événement terminé. Oui, bah il y a des boss qui sont des fois ils sont un peu faciles. Là, t'as eu un peu de chance, mais tu vois, en restant près de moi, tu vois, tu meurs moins et c'est forcément c'est plus facile. Puis là, tu vois, t'as récupéré encore deux niveaux de parangon. Bah tiens, si tu veux, je te laisse réparer un petit peu ton matériel. T'en reste plus qu'un. Bah nous, il nous reste deux. Il n'en reste plus que deux. T'as son pire, tu peux nous rejoindre. Tu peux nous rejoindre pour le dernier hein, si t'as fini avant. Nous on va mettre un peu plus de temps, bah, c'est un petit peu normal aussi parce que bon. Il y a une petite différence de niveau quand même donc. Puis c'est surtout le l'équipement où voilà, nous on a l'équipement de fou quoi. Je demande grâce à qui d'ailleurs. Un one shot, hein. Donc là la bestiole tu vois, hein, la bestiole est à 47 sud, sa jauge de vie a été pleine. Là ça fait mal, hein. C'est vrai que là faut faire gaffe au gros. Alors c'est par là. Régénération ressources. Ah, il y a des petits trucs là, il y a de l'argent. Ah, un petit livre. Aujourd'hui, je récolte les fruits de mon labeur. Madame a remarqué. Elle m'a promis une mission spéciale qui servira la gloire éternelle du maire. Ah, moi aussi j'ai un heureux. Me révèle ma tâche. Une demande d'amis. Une exaltation.
sais pas qui c'est. Quelqu'un qui doit jouer à Diablo 3, je pense. Et je ne connais pas, donc c'est encore très bien qui c'est. Je vais pas forcément accepter parce que je ne sais pas qui c'est. Vous disiez ? Un adversaire intéressant. Oh la vache. Bon bah je crois qu'on a... ouais. Là je sais pas où est-ce que tu es. Recule un petit peu hein, sinon Zarox, parce que là c'est le bordel pour mourir, il faut enchaîner les mains. Là moi ça prend un petit peu. C'est costaud les mains. C'est ça. Rien, on n'a même pas fini en plus. Ah, il y a un petit percepteur. Là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle est encore un peu là, faire attention. Ah ouais, c'est chaud. N'oublie pas être en retrait, hein, quoi. Parce que là, franchement, c'est des choses. Là, je suis mort aussi, toi. Je suis mort aussi. Tout ce tour. Donc là, il faut tuer tous les ennemis. Ce dur labeur pour un troupeau d'hommes boucs, abjects et malodorants. Magda affirme qu'ils seront nos plus précieux alliés et qu'une tâche aussi capitale doit être confiée à nul autre que moi. Mais j'ai bien compris les affaires. Voici, au combien douloureusement renouvelable. Oh, puis il y a du laser encore. Du laser, c'est pas à toi ça. Ah, j'aime pas les lasers, plus ça c'est encore un couloir. C'est fait exprès. Ça me fait des lasers là. Putain, je suis mort. Ils aiment les lasers. Donc là il reste encore 14 14 ennemis à battre. 13. On va tout finir. Alors il reste plus que 3. Hop, là, il y a un petit peu d'argent. Tac, et il n'en reste plus qu'un. Il reste plus qu'un. Oh.
Oh, il y a du loot là, sympa là. N'hésite pas à prendre. Il y a du loot sympa. Il y avait un autre coffre là aussi. Je retourne en ville. Alors, événement terminé. Alors, qu'est-ce qu'on se fait? Du coup, toi, t'as fini, non? Ouais. Bah sinon, on va commencer l'autre. On peut commencer nous le reste, au pire. Zarox, on va faire le dernier niveau. T'acceptes mon avis? Comme si je peux voir. Ouais, je t'invite. Attends, j'ai juste invité un quatrième joueur. Ouais, c'était dur, donc c'est pour ça après. T'inquiète pas, ça va aller en s'arrangeant. Alors, inviter des amis. J'ai juste invité un quatrième joueur. C'est notre mentor. Voilà. Allez, c'est bon, Kikudou, tu pourras nous rejoindre. Ah non, 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 il faut que tu acceptes l'invitation d'ami que je t'ai envoyé. Attends. Déclencher. Je t'ai envoyé une demande d'ami. Kikunoub ? Non, non, c'est Grégory. Oui. Je t'ai envoyé une demande d'ami en tant que Grégory pour que je te rejoigne avec ce compte-là. Ah, d'accord, ok. Bon, j'accepte. Attends. Alors, je coupe le stream hein, vite fait. C'est juste que ouais, j'ai un nouveau copain. Je savais pas que c'était toi, hein, c'est pour ça. De mon ami. Allez, toc. Normalement, c'est bon. Par contre, là, je sais pas qu'est-ce qui se passe là. Votre groupe sera téléporté quand le monde aura accepté l'invitation. J'ai accepté, hein. Merde, bah non, c'est trop tard. Je sais pas là ce que t'as fait tout à l'heure. T'as lancé un truc. Ouais. Ah, attends, J'invite Grégory. Voilà. Sinon, tac, c'est bon. Moi, faut que je rejoigne mon coéquipier. Ah bah oui, bah c'est le but. Alors attends, où est-ce que t'es, Zarox? Je te vois pas. Il est dans sa partie. Ah bah c'est pas grave. Ah bah je l'ai fait tout seul, je l'ai pensé aussi. C'est pas grave, Zarox, tu vas être avec mon coéquipier, donc je vais pas voir. Par contre, ce qu'il faut, c'est qu'on pas trop laisser tout seul. Parce que... bah il est au niveau armure, il a pas grand chose hein. En attaque il est très bon mais par contre il prend cher quand il se fait attaquer hein. Ah ouais non mais il se débrouille très très bien hein. Et ouais, c'est juste qu'en fait, ce qui est dur, c'est que ouais, il a rien pour se protéger, quoi. Ouais, c'est très faible, hein. Je crois qu'il a 4 fois moins que toi ce que t'avais hier, quoi. C'est pour te dire que toi, j'avais 2 fois plus que toi, et tu sais, au niveau armure. Et là, moi, j'ai... lui, il avait 4 fois moins que toi ce que t'avais hier. Je vois sa jauge d'ailleurs, mais sa jauge de santé qui baisse à gogo quoi. Elle remonte vite mais... je crois que moi j'ai déjà... Ah non, j'ai pas...
Par contre, si tu vois Kira, il va falloir que tu sois aussi là, non? C'est ce que je disais, qu'il te livre. Après, il me reste... Ah si, j'ai eu un truc. Hein. Ouais. Ah oui. Zarox. Ah oui, donc moi j'ai eu le truc. Ouais, heureusement que j'ai eu le truc. Hein. Sinon, vous auriez dû attendre au final. Ça marche. Ah ouais, tu vois, ça m'a... Tu vas bien évoluer là, aujourd'hui, avec nous. Là. Tu vas avoir un bon équipement, puis au niveau du level, tu vas évoluer correctement. Il a pris quand même 20 niveaux aujourd'hui. Hein. Faudrait que je le termine quand même ce truc là. Elle est pas trop grosse la map, hein, parce que... Bon, je la tiens là, pour l'instant là, la tiens. Je vais pas mourir une seule fois. Je peux pas rentrer dans la chambre de la souffrance. C'est quoi ce délire? Ah, je peux pas aller dans la chambre de la souffrance. Et il fallait faire quoi? Je recule. Non, à mon avis, t'as Zarox qui a pas validé encore. Ah ouais, Zarox, faut que tu valides. C'est peut-être pour ça. Faut que tu valides. Ah, je vais continuer. Ah, c'est bon. Ah. On est plus là. Sauf Kiku. Il est encore là, il a refusé, il veut pas jouer, il est trop fort. C'est quoi ça. Que... C'est ça. Ah, c'est comme ça. Par contre, Zarox... Il s'est déjà tourné, et pourtant c'est très fort dans la terre. Vu l'équipement de Michi, il est... Zarox, fais attention sur les dalles en dessous, tu vois, t'as des dalles qui commencent à s'enflammer en fait. Donc reste pas dessus pour les du feu, tu vois. Sinon tu vas mourir au shot. Hop là.
Attends, c'est par là. Le boucher, il n'y a rien, il en sait plein. Ouais, il... Bah, le moine, en fait, il est lui, il doit être venu de savoir. C'est lui qui doit faire en sorte que le boss soit plus. C'est pour ça que tous ces équipements qui récupèrent, c'est vraiment plus la défense. Allez, boum! C'est ça. Et là, il y a du loot là aussi. One là. Bar croisé, c'est vraiment les tanks. Ouais, bien joué, Zarox. Bien joué à toi aussi. T'as bien et géré. Le personnage à nous, c'est vraiment des attaques à distance. Et moi, j'arrive à encore aller à l'attaque. Bon, attention, j'envoie la mienne. C'est quoi ça encore? Qui me suivent. C'est un boss, c'est Sidai. C'est pas un gros truc où on va choper du level à fond? Non, bah non, c'est. Non, je peux pas avec celui-là. D'accord. Ouais. Bon, alors j'ai accepté moi. Du coup, Zarok, si t'as accepté, n'hésite pas. C'est bon. Oh là, on est tous les quatre. Ça va chier des bulles. L'équipe est au complète. T'es sûr? Non, attends, t'es où là? Ah ouais, non. Ah, c'est quoi ce délire là? Ah non, ça visait. Ah non. Pas bien. J'ai ça, c'est pas bien. Ouais. C'est pas bon. Hein. Alors, ça, c'est notre mentor, hein, Zarok, tu vois, un peu. Hein, il nous a balancé un truc et voilà. Bam. Alors, ça, c'est ce qu'on cherche pas justement, les joueurs. On cherche pas des trucs comme ça parce qu'au final, on n'en place pas une. Mais bon. Mais tu vois, c'est un personnage qui n'est non cheaté. Donc tu peux pas prendre des paragons comme la dernière fois. Ouais. Tant mieux. Mais bon, ça, c'est moins intéressant moi, parce que. C'est que du primordial que j'ai. C'est juste que c'est des très hauts équipements. Comme ton arme que je t'ai filée et ton bouclier. Ouais, Zarok, je confirme, il est fort. Alors, Kikunu, au final, c'est quelqu'un qui joue depuis des années à ce jeu-là, donc il l'a fait, refait et tout. Il connaît le jeu comme sa poche, donc c'est normal qu'il soit très très fort. Et il nous met en garde en plus. C'est ça qui est bien, c'est qu'il nous met en garde. Bon, bah c'est bien, il n'y a plus qu'à accepter le truc là de machin. Il est où l'auteur? Qu'est-ce qu'il est? Tyrael. Bah. Eh, j'ai fini l'acte normalement. Comment ça se fait qu'il accepte? Mais t'es pas sur le bon. Là t'es sur l'acte 3, c'est pour ça. Il faut que tu sois sur l'acte 2. Bon, on se met. Moi j'étais sur l'acte 1. Bah oui. Donc faut se mettre sur l'acte 1. Hein, Zarok. Si tu veux bénéficier du truc, faut aller sur l'acte 1. Ouais, enfin bon. Je suis sur acte 1 là. Non, merde. Il m'a mis sur acte 1. Ouais, faut que tu te TP sur l'acte 1 pour bénéficier des trucs. Je sais pas si... Parce que bah, moi au final j'ai eu le truc, je crois. Quoique, il n'y a pas forcément besoin. Ah oui, non, bah c'est bon. Vos actions bon, allez. Méritent le donjon de la roche. Voilà. T'as eu encore un peu de cadeaux. Bah je vous ai tous donné des cadeaux parce que même Kikunoob. Alors tu t'as des coffres, hein, tu peux récupérer les trucs, je sais pas si t'as. Tu connais le principe. Je pense que oui. Alors, bon bah c'est bien tout ça. On a fait l'acte 1 et 2. Ah, je suis perdu. Ah oui, c'est le bouquin que je voulais. Tac, nouvelle transmission. Ah, volonté d'Inarius, j'ai mieux, dis donc, que ce que tu m'as donné, Kikunu. Comment dire, spawnez tous sur moi. Allez, tous sur Grégory. Allez, vite. Où t'es?
Alors viens par ici, Zarox. Faut que tu valides Grégory 080 sur le standard. Sur le l'étendard. Tu vas. Tu vas sur l'étendard de Grégory 080, Zarox. Voilà, c'est bon, nickel. Eh ben c'est bon, voilà. On est tous là. Alors tout le monde passe le pactole. Et là, il y a une petite porte qui se... Ouais, c'est allez, ouvert quand on passe le pactole. Donc attends, on ne tape pas, on attend que tout le monde se plote dedans. Et... C'est quoi ce truc de fou là? C'est un monde bonus. Vas-y, c'est le moment de s'en mettre plein les poches là. Hein. Zarox, on se met plein les poches. Putain, la vache, c'est marrant. Le truc de malade. Et t'as fait comment pour avoir ça? C'est un gobelin qui m'a ouvert. Sinon, je peux l'avoir par rapport à un gobelin. Voilà, attention. Les abonnés. Ah, excellent. Par contre, là... Putain, mais excellent. Ramasse d'argent. Il va halluciner ça. Donc là par contre je vous laisse vous en occuper. Ouais. Allez, la chambre forte. Essayez de la faire taper contre les murs. La faire taper contre les murs. Des gobelins qui sortent une grosse partie avec. Alors faut la faire taper contre les murs, Zarox. Essaye de la faire taper contre les murs. Dirige-toi plutôt vers les murs. Essaye de la faire taper les murs. Là tu vois, hop, il y a un peu d'argent là. Ouais. Fais la taper ouais sur les murs, des trucs comme ça. Mais ça sert à rien de la... En fait ça sert à rien de l'attaquer. Laisse-la taper sur les côtés. Et puis là, évidemment, moi j'ai mes... Tu vois, ça roule. En fait, ce que vous avez fait, c'est que qu'est-ce qui s'est passé là? Wow. C'est quoi le méga coffre là? Oh la vache! C'est quoi ce coffre de malade? Tu peux rien faire attention, tu peux pas le... Tu peux pas d'avarice. Mais tu fais un fond de l'os. Moi, je peux rien. Ah, c'est pas moi qu'il faut remercier, Zarox, c'est Kipoulou qui nous a fait découvrir ça parce qu'on découvre en même temps que toi. Donc là, on peut se taper en ville, je pense. On peut retourner en ville. Bah dans 12 secondes, enfin dans 10 secondes, vous faites un bac directement. Putain la vache le truc, mais... Bon, je crois qu'il y a un cadeau qui va finir à poubelle. je connais un qui rigole. Bah, c'est évidemment c'est celui qui est, c'est pas Grégory malheureusement. J'aurais été content que ce soit celui-là mais c'est dommage, on passe avec celui-là. Allez, c'est pas grave. Je te le renverrai. J'en veux pas de ton cadeau.
Attends. C'est de la merde. Oh la vache. Par contre, on a du truc, on a du loot à gogo, quoi. Alors, il est où le livre de le bouquin? Il est là, le bouquin. Ok, donc là, bah, Inarius, je garde ce que j'ai gardé dans le coffre. Ouais, c'est. Ouais. Alors que je pensais qu'on les avait toutes, hein. Alors, là, il y a des trucs aussi, je sais pas. Ah oui, c'est. C'est moi qui fais la bilance. Il en a trop. Ouais, ouais, ouais. Ça, eh. Kikunu, il fout le bordel à chaque fois. Il fout plein d'armes partout par terre, quoi. C'est. Pas vrai. Pourquoi tu mens? Arrête de mentir, Banté. Après, on va dire que je trouve ma merde. Et c'est tout ce que vous voulez en faire. C'est des ressources. C'est vous qui voyez. Ce n'est pas la pire idée que vous ayez eue. Merde, loin. C'est pas ça que je veux faire. Je fais le con, mais c'est pas des. Combattre un objet. Ah. Est-ce que j'ai. Ce monde est sans cesse en péril, mon ami. Même les endroits que nous considérions comme sûrs. Kiku, il y a bah, Zarox qui demande si t'avais le platine sur sur ton compte Grégory. Mais je pense quoi, pas. J'ai pas compris. Il demandait si t'avais platiné le jeu en fait. T'as le platine de Diablo 3 sur PS4 ou pas? Ouais, je l'ai platine sur le compte Kikunoob. J'ai platine ouais, sur mon compte Kikunoob et j'ai surplatiné même. Il l'a replatiné une deuxième fois sur un deuxième compte limite. Bah en gros c'est ce qui va se passer si je joue avec le second. Mais et comment tu fais parce que là c'est un autre compte, c'est pas ton. Parce que faut avoir le PSN quand même pour. Bah en fait si tu préfères, tu peux jouer avec n'importe quel compte sur ta console. Tant que ton compte principal il est activé avec le PSN, tous les autres comptes tu peux jouer en réseau. Et si c'est une autre console, non c'est pas possible. Et si c'est une autre console, Si tu fous ton compte avec le PSN Plus dessus. Ouais, parce qu'en fait, bah moi j'ai madame qui joue là avec moi à GTA. Je vais payer un mois de PSN là. Mais alors, je vais t'expliquer un petit truc. Le mieux, c'est vu que toi t'as ton PSN Plus, ton ouais. Compte à toi, tu le mets sur son compte sur sa play à elle. Ouais. Son compte à elle, tu l'enlèves de comment dire? Du actif en tant que principal, tu te remets sur ton compte, tu mets ton compte en actif sur sa console, mais d'abord il faut que tu le désactives sur ta console à toi. Ouais, vache. Ouais. C'est un gros schmilblick. Oui, d'accord. En donc gros, je... si tu préfères ton compte, ta PS4 à toi, ta PS4 à ta femme, vous désactivez tous les deux de principal. D'accord. J'active le compte de ta femme, le compte et ton compte à toi sur vos sur les consoles inverses. D'accord. Toi, ton compte à toi sur la console de ta femme, tu le mets en actif. Et sur ta console, tu mets celui de ta femme en actif. D'accord. En gros, tous les jeux PSN plus que tu as, tu peux les prendre et elle pourra les prendre sur sa console. Bah oui, bah t'auras ouais. Un seul abonnement PSN plus activé. Ouais. Mais à la par place contre. Tu payes 120 balles par mois, tu payes que. Enfin, 120 balles à l'année, tu payes que
qu'une fois. Mais bah en fait, le truc, c'est que elle voudra jamais changer de console. Donc il non, faut mais que c'est genre... pas, c'est pas changer de console en fait. Parce que ta femme elle est sur PS4 aussi. Ouais, mais elle c'est la pro qu'elle a, et moi j'ai la oui, normale. Mais ça change rien. Si tu préfères, moi je suis en compte avec une pote, et au total on a 160 jeux. D'accord, ah, je dis. Attends, je veux dire. Ouais, salut Zarok, c'était un plaisir. Y a pas de problème, on peut rejouer quand tu veux. N'hésite pas à revenir. Ouais, donc au final, parce que est-ce que moi si j'active mon compte sur la console de mon ami, là. Ouais. Après, si moi j'active son compte principal sur la mienne, ouais. Ce qui va se passer, c'est que moi je jouerai jamais avec un compte principal sur ma console au final. Je jouerai qu'avec, ce sera tu un compte vas secondaire. Jouer avec ton compte à toi. Ouais. Et ça n'en change rien. Il sera pas considéré comme secondaire. Non, parce qu'en fait c'est ton compte que tu joues. C'est ton compte à toi qui est en PSN Plus, donc toi ça te changera rien du tout. D'accord. Ouais, parce que là au final c'est vrai que bah ça, là je lui fais un mois, mais bon, je paierai pas tous les mois quoi. Mais après tu vois un truc comme ça, au pire un de ces quatre que tu te connectes avant de faire ton live, et je te réexplique vraiment pas à pas. Ouais. Bah là, pour l'instant, elle a encore 15 jours de PSN. Mais je sais qu'il y a des jeux, elle les a payés parce que moi je les ai eu gratos. Genre Till Dawn, j'ai eu gratos et elle a payé. Il y avait eu, je sais plus quoi, des jeux comme ça, il y en avait un autre. Je l'ai eu gratos et puis elle l'a pas eu quoi. Donc elle a dû payer à chaque fois. par contre, les jeux que j'achète. Au moins tu seras tranquille. Comme ça, en fait, tous les jeux que tu vas acheter sur le PSN, elle les aura aussi. Ah oui? Sérieux? Ah bah là, elle va être folle. En gros, tu vas te faire une économie. Ah bah elle va être folle. C'est ce que je te dis. Hein? Regarde, moi, si tu préfères, donc sur la console, au total, j'ai acheté pas loin. En gros, ma PS4 Pro avec tous les jeux que j'en ai pour 1200-1300 balles. Ouais, bah j'aurais été pas loin que toi, ouais. Donc t'es bien d'accord. Ma pote, elle c'est la PS4 normale. Ouais. Elle a au total 180 jeux. Donc si tu fais le calcul, 180 jeux. Plus la console, il y en a pas loin de 2000 balles. Ah putain, ah faut que je lui dise ça, elle va être folle. Donc, tous les jeux total, que j'ai achetés sur le stream. Au total, on a fait une économie facilement de. En gros, un jeu que tu prends par exemple Call of, je l'ai pris avec un season pass, il m'a coûté 100 balles. Ouais. On l'aurait pris à deux, ça faisait 200 balles. Bah oui. Que là, on a le compte qui est, tu payes qu'une seule fois. Bah oui, c'est vrai que. En plus, le season pass, elle l'a aussi. Parce que c'est mon compte principal qui est en actif sur sa console. D'accord. Ah, faut que je dise ça. Elle va être folle. Bah, par contre, elle risque de pas lâcher la PS4 du coup. Elle va pas lâcher la PS4 tout de suite alors. Donc, tu vois, au moins ta femme déjà elle pourrait avoir des jeux gratuitement. Ah, bah là, ouais, je te dis, on a 160 jeux gratuits déjà. Donc, elle va avoir 160 jeux gratuits facile. Sans compter les jeux en boîte, mais. Ah ouais, bah faut que je fasse cette manip. Donc tu vois, comme là ce mois-ci c'est en jeu gratuit, t'as Hitman et puis un autre. Ouais. Là. Eh ben, bah ces jeux-là, elle les aura aussi. Bah elle peut les avoir. Les a pris. Ouais. Ouais. Elle peut les prendre. Mais le problème, c'est comme elle aura plus le season pass. Bah oui. Elle pourra plus y jouer. Que là, vu que ça va être ton compte qui va être en principal sur sa console. Mmh. Elle va les télécharger par rapport à ton compte, et vu qu'ils sont en principal, elle pourra les jouer sur le compte à part. Voilà, ouais. Non mais c'est... J'avais testé un truc comme ça avec un de mes cousins, justement, passer un jeu, et j'avais acheté un jeu, et je l'avais mis sur ma console et tout, et dès que je me suis déconnecté de sa console, sur mon compte, eh ben il a eu que la démo, quoi, il pouvait jouer qu'à la démo. Et c'est pour ça que je dis bah non. C'est ça. Ouais. Donc il faut Il faut que ton compte à toi soit le compte à ta femme, soit en principal, ainsi de suite sur la tienne. Par contre, je crois qu'on a un nombre de consoles à respecter. Après, si moi ma PS4 est tombée en rade, tu peux que deux fois. Voilà. Donc PS4, au final, si PS3, tu peux aller jusque 7 consoles, 5 ou 6 consoles. Mais ouais, PS4, si elle tombe en rade, et ben je suis foutu quoi. Si ma PS4 est tombée en rade, et ben
Je peux plus. Bah, je en peux fait, plus. Si tu préfères, si ta PS4 elle tombe en rade, il y a qu'un truc que tu peux faire, c'est contacter le service Sony. Ouais. Il désactive par rapport à ta console pour que tu le réactives sur notre. Ouais, encore. Ça, c'est possible. Encore faut-il et que après, ça marche. Ça marche. Moi, je te le dis, ça marche. Parce que j'avais que la PS4 ouais. normale. J'ai passé sur une deuxième PS4 normale et j'avais pas pu désactiver le compte. D'accord. Sony me l'a fait. Et là, le truc qui s'est passé, c'est que. Comment ? J'ai rechangé de PS4. De la normale, je suis passé à la pro. Ouais. Et ben, je suis tranquille, ça passe. Ouais, parce que c'est vrai que je reste sur la réserve, tu sais, quand tu m'avais parlé de ton aventure avec GTA, là. J'ai dit, ça peut aussi poser problème. C'est pour ça. Mais ouais, à ce moment-là, genre. Et bon, là. Je vais vous laisser parce que je dois partir. Ouais, ok. Hein, au fond. Pire, ben, je suis en week-end. De toute façon, je pense qu'on va refaire. Choix. On va s'en refaire demain, ça c'est sûr. Ouais. Après. Bon, ben, c'est tout. Par contre, nous, on s'en fera plus dans l'après-midi, je pense. Donc ouais, après, non, pas de souci. C'est toi qui vois. Si tu veux jouer, y a pas de souci. Ouais, t'inquiète, t'as pas de problème. Mais allez. Ouais, bah merci pour les infos. Ouais, bonne soirée. Ouais, de rien. Au pire, j'essaierai de trouver un petit tuto et je t'enverrai ça aussi via l'application Messenger pour PSN. Ouais, ouais, bah puis moi, du coup, je l'ai installé sur mon téléphone, donc j'ai les messages rapidement maintenant. Donc, comme ça, en même temps, on peut communiquer, comme ça, si le jour où tu veux le faire et puis que tu veux des explications, je peux te le donner en même temps. Ouais, nickel. Je te remercie beaucoup, okay. Kikunou. Ah, c'est sympa, vraiment sympa, ouais. Allez. Ouais, allez. Ouais, salut. Bon, on va peut-être, on refait une petite dernière, je sais pas, un petit, tu voulais faire du faille je vais vendre un petit peu de truc. On a perdu la moitié de notre effectif. Ah oh, bah, c'est pas grave. Par contre là, hop, c'est bon. Bon bah c'était cool. C'était cool. Non, hop. J'ai des clés, j'ai deux clés, donc on peut se faire de la faille. Et on a fait tourment 6 niveau 25. Est-ce qu'on fait 26-27 ou 27-28? Fait 27-28. Allez, on est chaud. Chaud. Là en plus on a pris du level, donc là on va les déchirer. Prouvez que vous êtes digne de votre lignée. Ah nickel. Nous voilà de retour. On va pas se laisser faire. Et ça commence déjà avec des lasers. Et oui. Ils ont pensé à nous, on savait qu'on aimait les lasers. Et voilà. Alors, on a intérêt à pas perdre de temps, donc là, je crois que c'est pas par là. Ouais, si on pouvait passer en plus. Par là. Oh. Ah, c'est violent, hein, encore une fois. T'es mort. Alors, on était trois tout à l'heure. Moi aussi, je suis mort. On était trois tout à l'heure et c'est vrai que toi, même si Zarox n'était pas en bon 33 et compagnie, au niveau attaque, il était clairement plus fort que nous. Et je pense que ça y a joué. Par contre, au niveau des shots, il était. Du coup, on n'est pas le traître. Oh, j'ai failli prendre un laser.
Ah punaise, mais quel con, je reste là où il explose quoi. Mais le boulet, mais c'est pas possible. Alors, je sais pas, par là peut-être. On n'a pas visité. Ah, c'est par ici. Téléportation. Oh là 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 là, je suis remort encore. Oh, on a du mal, tu vois, à la 27, c'est encore costaud. Ah, attends, bah non, Kiku, tu penses qu'il a... sinon, on... Ah, on peut pas la prendre. Ah, c'est vrai que tout à l'heure on y arrivait de l'emmener, mais 6 fois, je suis mort 3 fois, je pense. Et on est dans les temps encore. Ouais, c'est fermé. Ouais, puis là on peut pas quitter, hein, on peut pas. Ouais, bah ouais. Un entraînement, hein. C'est vrai que là. Bon. Vache. Allez, mort encore. Non, je suis mort encore. Ah, puis la résurrection, elle demande plus de temps maintenant. Si on va réussir, on est juste encore un petit là. Allez, je peux en faire un cadavre. Putain. Ouais, c'est par là. Chaud, hein. On est dans les temps, mais c'est chaud. On va les avoir, les améliorations. Ah ouais. On n'est pas mort des 5-6 fois pour juste. En plus, on aurait même pas de gemme légendaire, on aurait rien. À part l'expérience. Ouais. Ça, faut vraiment qu'on la puisse en temps et en heure. Ouais, ouais, déjà. On veut du lourd. Ah oh ouais, on va leur défoncer leur race, hein, c'est obligé. Tiens, hop, une petite position, hop là. Oh
Constantin. Laser à la con. Voilà, ça. Ça, c'est bon. Rien ne nous arrête. On va s'acharner. Ah si, il y a un seul truc qui peut nous arrêter. Un mur. Il y a qu'un mur qui peut nous arrêter. Vas-y, je te suis parce que je crois que moi j'allais partir loin. Tiens, bouffe, bouffe. C'est tout, est-ce que c'est... Ouais, bah moi aussi. Putain, 18 secondes. Non, non, pas 18 secondes, quoi. Le compteur. Allez. Ah, ça fait mal, en plus, tu vois le compteur qui défile. Ah, bien joué, t'as récupéré de la... Allez, à moi. Allez. C'est le bordel. Mais à chaque fois qu'on joue ensemble, c'est le bordel. Quand je jouais avec Zaros tout à l'heure, c'était pas aussi brouillon que ça, hein. Allez, dès qu'on est tous les deux, on fait ramer le jeu, mais à un point... Je sais pas, ouais. Par là peut-être. Non. Ouais. Ouais, faut que... Attends. Faut qu'on descende, hein, peut-être. Hein. On redescend. Bon, on a... Par là, t'es sûr? Ouais, non, faut redescendre. Pour descendre. On a 2 minutes, c'est pour ça. Mais on va pas... Je vous rassure, à tous les spectateurs, on va pas faire notre slip. Hein. C'est juste que c'est un petit peu stressant. Une course contre la montre. Combat à ma mesure.
putain, et... Ça va être juste. Eh, la vitesse. Ouais, c'est bizarre, on a besoin de ça. Voilà, allez, hop. 1 minute 30 pour niquer le boss. Ah ouais, il fait exprès, hein. On va faire du plaisir. Bon, 1 minute, c'est bon, on va aller voir. On va les avoir, nos améliorations. On a la vitesse d'attaque aussi. Wow. Voilà. Bon, sachant qu'hier, on était... Ouais, c'était hier, hein, je crois. On avait réussi à 26 secondes près. Il nous restait 26 secondes. Donc, comme quoi, c'est synchro. Oui, oh bah je suis presque pareil que toi. Je suis mort beaucoup de fois. Ah non non, 5-6 fois hein, facile hein. Ah non non, je suis mort plusieurs fois que ça. Non non. Ouais. D'accord. D'accord. Ouais, bah ça permet de... Ouais, donc au final, si t'étais mort, tu serais mort plus de 10 fois si t'as pas eu ces trucs-là, quoi. Trash. Bon, bah on va pouvoir se TP en ville. Non, non, t'inquiète pas, hein. Je suis patient. Sinon, ce sera c'était la dernière hein, qu'on va faire. Après, il faut que je prépare quelques petits trucs. Ah, moi j'ai eu 100% par contre sur un truc et 80-80. Donc, au final, toutes les évaluations que j'ai effectuées, elles sont passées. Mais ouais, c'est... Ah, par contre, c'est vrai que je vois, tu vois, j'ai de la friture dans le casque, je sais pas pourquoi. Ah si, ça va, ça commence à grésiller en fait. Mais c'est pas méchant. Ça. Ah non, bah non, 15% t'as presque pas de chance du tout d'y arriver. Hein. Eh, faut pas qu'on oublie, c'est de parler à Wack en ville. Je vais y aller. Ah ouais, mais ce que je fais, c'est le truc... Ça... Ah bah c'est sûr. On va partir, on va quitter le jeu sans avoir chopé nos trucs, quoi. Putain, j'ai encore des bottes. Ok. Les petites bottes, on va les mettre là. Ah non, mais c'est pas ça que je veux. Tchou. Ah, j'ai même des plans. J'avais même pas mis des... J'avais pas vu. Je me rappelais plus que j'avais des plans. Je fasse les plans. J'ai des dessins, alors que ça se trouve je vais peut-être pouvoir améliorer mes trucs. Je vais regarder, il est où l'autre joaillier? Ah, je peux faire des diamants sans défaut, des rubis sans défaut. Ah, intéressant. Par contre topaz non. Mais par contre je crois que je portais une... Ouais, je portais à...
Ah, faut que je fasse ça. Encore un cadavre. Un cadavre. Alors là. Ah ouais, je vais te dire ça. Ouais, j'ai entendu la petite clochette. C'est quoi que... Hop. Merde. Merde. Enlevé. Hop là. Tac. Tac. Ah merde. Encore 6. Merde. Voilà. Donc là déjà. Tac. J'ai regardé ce que j'ai. J'ai eu des dessins, tu sais, pour avoir des trucs royal sans défaut. Je sais pas si t'as eu ça, toi. Du coup, tu as les diamants. Moi, je peux faire le diamant royal sans défaut et le rubis royal sans défaut. C'est pour info, hein, si t'as besoin. J'ai eu le plan, je sais pas où. Ouais. Ah, par contre, l'armure que tu... Merde. L'armure que tu m'as filée... Bon, au final, elle est pas puissante. Bah, c'est moyen. Je vais voir si je peux pas l'améliorer. Salut, Gunstone. Les gemmes vertes... Alors, moi, sur mon arme, en fait, j'ai une gemme légendaire. C'est pour ça que je mets pas de gemme verte. Je peux te montrer... Bah si d'ailleurs, là, je peux te montrer. J'ai une gemme verte dans la faux. Légendaire en plus de niveau 55, donc je suis pas prêt de changer. Et le reste, gemme en bleu, au final j'ai que des légendaires. Hein. Dans les anneaux par exemple, j'ai que du légendaire aussi. Et je mets un gain d'expérience sur le casque, et le reste c'est en jaune parce qu'il faut de l'intelligence. C'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. En plus, on m'a donné conseil en fait. mais tu peux me dire à la rigueur pourquoi mettre des gemmes vertes et des gemmes bleues, le bénéfice que ça pourrait m'apporter, juste pour savoir, parce que je suis curieux comme de savoir. Alors, recycler. Si je peux l'améliorer celle-là. Est-ce que je peux l'améliorer celle-là? C'est pas ça. Ma gemme légendaire au collier, elle me permet moi d'avoir plus de vie en fait. Je récupère plus de points de vie. Et sachant que je meurs beaucoup, c'est pour ça que je l'ai mis. Après, j'ai beaucoup de gemmes légendaires. J'ai beaucoup de gemmes légendaires. Mais là, c'est vrai que je meurs moins depuis que je l'ai mis, cette gemme-là. Hein, sachant qu'on est en tourment 5-6. C'est pour ça que... mais toi, tu mettrais quoi comme gemme légendaire ou comme gemme tout court au collier? Parce que je peux te dire hein, ce que j'ai dans mon coffre. Dans les gemmes du coffre. Parce que j'ai tout ça. Alors après, j'ai pas du tout, on n'a pas d'infos, mais j'ai tout ça. Apparemment, je les aurais toutes, les gemmes légendaires. Les gemmes bleues augmentent la résistance. Ouais, ça peut être intéressant, effectivement. Faudrait que je regarde. Peut-être, pourquoi pas, mettre une chasse sur mon bouclier. Essayer de trouver une chasse et puis mettre une gemme bleue.
Qu'est-ce que j'ai en gemme bleue? J'ai pas de gemme bleue. les gemmes bleues, c'est, tu veux parler peut-être des gemmes diamants ou violettes? Les améthystes peut-être? Non, vitalité. Ouais, non, j'en ai pas. Réduction de temps de recharge. Ouais, non, j'ai pas. J'ai pas de gemmes bleues en fait. Parce que la vitalité, la résistance, je vois pas dans ce que ça pourrait donner. La vitalité, c'est pas de la résistance. La dextérité, c'est plus de la précision. L'intelligence, c'est ce que j'ai. La force. Et ah si, ouais, tu veux parler des diamants en fait. Apparemment, si tu mets une. Enfin. Si la résistance, tu peux mettre une gemme. Un diamant, sinon, inséré. Classement, faille sup. Non, classement, faille supérieure. Je sais pas si je l'ai là-dedans. Là, c'est pas là-dedans. Ah, ok, d'accord, ouais, merci. J'avais vu. Non, est-ce que apparemment ouais, sur le chat on nous conseille quand même de mettre si vraiment on se galère, qu'on meurt, tu mets des gemmes de diamant. Ouais. Et c'est peut-être pas con. C'est peut-être pas con d'un côté. Parce que on a tout mis nous en. Alors après la résistance c'est que pour ce qui est collier et amulette. Ou autre en fait. Mais ouais. Que moi au final, est-ce que ça vaut pas le coup que je mette. Je regarde. Je vais regarder mes gemmes de diamant. Sachant qu'en plus on peut les mettre à fond quoi. Je vais sortir une gemme de diamant. Ouais, je suis bien là. Ok. Parce qu'on a les diamants royal sans défaut maintenant, donc ça peut être intéressant quoi. Ah, il en faut encore une. Alors, je comprends pas le sosso le avec tornade. Je comprends pas ce que tu dis. Le sosso le. Je comprends pas ce que t'as mis dans le chat en fait. Tu veux parler de l'équipement, c'est ça? Alors. Parce que là, autre 78 à toutes les résistances, réduit le temps de recharge, plus 1% de dégâts. Ouais, c'est vrai que. Il faudrait que je mette ça dans autre. Il faudrait que je mette ça dans autre. Et dans quoi autre? Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, d'accord, ok. Hein, apparemment, ce qu'on me dit, c'est par rapport à toi. Donc, il faut que tu fasses le truc tornade. Donc, c'est on parle de build avec tornade. Ouais. On dit, je te transmets le message, en fait, ce qu'il a mis, c'est pour le sosso, donc le sorcier. Je pense que c'est le meilleur équipement, c'est celui avec tornade. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Voilà. Parce que la meilleure sp DPS est tornade. Je commence à être dans le noir total là, ça y est. On va mettre un jeu qui flippe. Je vois rien. J'ai allumé la lumière parce que je vois. On voit rien. Je vais esquinter les. Ah oui! Ouais. Alors, apparemment, ouais, ce que disait la tornade aussi, c'est aléatoire. On peut pas la contrôler pour aller dans un.
pour attaquer l'ennemi, elle va où elle veut, la tornade. Alors, sauf si t'as une solution pour la contrôler, ou qu'elle part en live. Oh, ouais, je sais pas du tout. Parce qu'apparemment, ce serait le plus gros DPS du jeu. Un des plus gros. Putain, je sais pas, le choix est cornélien. Est-ce que j'enlève les dégâts de mes familiers? Ou les dégâts d'épines? Bonne question. Plus 12%. La vitesse de déplacement. Augmente vos dégâts. Ouais, c'est chiant, je sais pas quoi changer, quoi. Sinon, je vais enlever celle-là, tant pis. Je vais la mettre plutôt... C'est vrai que c'est chiant, parce que si on avait des trucs, tu sais, pour... plus de... d'équipement à pouvoir porter des chats, ce serait super, quoi. Allez, hop, je la mets là-dedans. J'ai plus 78 en résistance. Tac, en tout cas, je te remercie hein, pour toutes tes infos. Hein, Gunstuzo, excuse-moi si j'arrive pas à prononcer. Gunstuzo, je pense que c'est comme ça que ça se dit. Merci beaucoup pour ton aide. Les gemmes légendaires à toi sont Zei et Piège. Zei et Piège. Alors, les gemmes légendaires, pour moi, c'est Zei et Piège et Ésotérique. Alors, je regarde ce que j'aime en gemmes légendaires. Parce que moi, j'ai un tesson, cheville ouvrière. Moi, j'ai une gemme d'aisance qui est vraiment pratique. En plus, elle est vraiment boostée à fond. J'ai pas vraiment envie de m'en séparer. J'ai juste regardé ce que j'ai déjà dans mes gemmes légendaires. Zei, piège et ésotérique. Alors, altération ésotérique, tu voulais dire, je pense. Et piège et ésotérique. Alors, Zei, piège et ésotérique. Alors, j'ai la perte du piégé, mais c'est peut-être pas ça. J'ai pas Zei non plus. Par contre, c'est con, j'aimerais bien voir l'info sur cette... J'aimerais bien voir l'info sur ce truc-là, quoi. C'est con, on n'a pas l'information sur les gemmes. Ah si, là. Votre réduction des dégâts autres que physiques augmente de 10%. C'est la réduction des dégâts. Je me tâte à la mettre à la place, quand même, si c'est plus de la résistance. Parce que l'autre, c'est quand même des... En attaque, je suis pas très très fort... C'est pour ça que je voulais garder un petit peu d'attaque quand même. Alors est-ce que je dois pas enlever plutôt la résistance, la gemme de diamant. Plus 78 à toutes les résistances en plus. Alors c'est pas 78%. Alors. Attends, je vais revoir. Alors. Perte du piège et Zei, c'est une. Moi j'ai la perte du piégé, donc c'est peut-être ça déjà, ok. Ah, et tu parles de la pierre de vengeance de Zei. Ouais, le problème c'est que moi c'est une arme quand même, mon arme elle est costaud la gemme et ça me récupère de l'XP je crois. Ça c'était un joueur qui me l'avait donné. J'ai pas trop envie de m'en séparer quoi. Elle est niveau 55 quoi, elle est vraiment boostée à fond quoi. Par contre je peux mettre à la place de mes deux anneaux là. Augmente les dégâts. Je vais juste voir un truc. Ah mais c'est pas vrai. Je regarde un peu ce que c'est. Les dégâts contre les ennemis victimes d'effets de contrôle sont augmentés. Les dégâts contre les ennemis. Ok.
Les dégâts que vous infligez augmentent de 4% par section de limette. D'accord. De toute façon, déjà, parce que là, le problème, en plus, elles sont en rang 0, je serais obligé de me retaper toute la modif à faire. Ce que je peux faire, déjà, je peux en équiper certaines. Puis je vais voir. J'en ai équipé certaines, mais je vais peut-être pas tout équiper, parce que si j'équipe tout, elles ont pas beaucoup évolué, quoi. Elles sont niveau 0, donc j'ai enlevé ces deux-là. Je vais mettre les autres après. Parce que les autres, elles sont quand même niveau 20. Hein. J'arrive à les monter. Elles sont montées presque niveau 20. Donc. Merde, c'est quoi ce délire? On va mettre une réduction de dégâts ici. Et. Tac. Voilà. Bon. Je vais faire comme ça. Déjà. A voir. Je vais voir. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton petit conseil. Je l'ai tenu à moitié, je m'excuse. Mais je préfère garder quand même cette gemme-là. Et l'autre, du coup, je l'ai mis à la place. J'ai mis la gemme de diamant pour avoir plus de résistance. On va voir ce que ça va donner prochainement. Parce que là, de toute façon, on va s'arrêter. On va devoir s'arrêter. Mais en tout cas, merci beaucoup à Gunstuzo. Très gentil pour ton conseil. Qu'est-ce que j'avais niveau parangon? Bah non, j'ai tout fait. Ah si, je voulais voir si c'était les trucs de sang là. J'ai pas fait. C'est vrai qu'on passe du temps dans ces menus. Toc, bon. Alors. Ok, je la mets dans le collier. Tu veux parler de quelle gemme, par contre, dans mon collier. J'enlève quoi, la bleue ou la verte? Qu'est-ce que tu veux que je mette dans mon collier? Déjà, je vais enlever. Hop. Ou t'as pas d'importance? Celle de mon arme, je la mets dans mon collier. Oh. Ah, zut. Ah ouais. Alors, je mets la pierre, celle-là, dans mon arme. Ah, je peux pas la mettre dans mon arme. Et celle-là, je peux pas la mettre non plus dans le collier. Je peux pas mettre cette gemme-là dans le collier. Et l'autre, je peux pas la mettre dans mon arme non plus. Alors, je peux essayer. J'ai enlevé les autres, sinon. Je vais voir si je peux mettre les autres. Je vais enlever ces deux-là. Ouais, la gemme verte, je peux la mettre n'importe où, je vais voir. La gemme verte, c'était pour la... Faut que je regarde un peu. Parce que ça donne... Ah, mais j'ai deux trucs là, au final, c'est quoi ce délire? Équipé, j'ai deux trucs d'équipé. Comment ça se fait que j'ai deux trucs qui sont équipés, là? Ah oui, c'est mon collier. Ah, je peux mettre que dans mon collier en fait, hein, les gemmes. Je peux pas les mettre dans mon arme. Ça, c'est vraiment typique à mon arme en fait. Je peux pas l'enlever. Je peux pas mettre d'autres gemmes légendaires. Ouais. Donc faut que je mette. Sinon, faut que je mette une gemme verte sur mon arme. Par contre, celle-là, le problème, c'est que cette gemme-là, je vais pas pouvoir la mettre. Je peux pas la mettre ailleurs, quoi. C'est ça qui me fait chier. Qu'est-ce que j'ai d'autre?
Je peux pas mettre une gemme légendaire genre sur la conviction d'Inarius, ça je suis sûr je vais pas pouvoir mettre un. Ouais, mais j'en ai une aussi sur mon arme, tu sais. Il y en a qu'une qui s'adapte sur mon arme. Ouais. C'est juste pour l'arme, donc c'est pour ça, celle-là. Si je l'enlève, en plus. Ouais, tu voulais dire, ouais, sur la. C'est la gemme légendaire, c'est de l'XP. Ouais, c'est de l'XP en plus. Faut juste que je regarde un truc. Merde, je suis con. Faut que je vois ce que j'ai aussi en gemme verte, quoi. PG, alors PG. Faut juste voir un truc. PG. C'est quoi la PG? Ouais, c'est au niveau de l'XP, peut-être que ça au niveau des. Ah, puis j'ai même pas d'émeraude royale sans défaut, quoi. C'est con, ça. Dégâts critiques sur arme. Donc, déjà, je mets celle-là, tant pis, je vais avoir qu'une. Merde, c'est pas celle-là. Là, j'ai mis. Par contre, ouais, les autres. Merde, qu'est-ce que je voulais faire? Merde, mais quel con, c'est pas celle-là que je voulais mettre. Je me rappelle plus ce que j'avais mis. Ouais, merde, je suis con, j'ai pas mis les bonnes. Si celle-là c'est bon, c'est celle-là que j'ai pas mis. ...50 000. Ah oui, en. Ok, d'accord, ouais, je vois ça, ok. Nickel. Nickel, bah merci bien. Faut juste que. Alors là, c'était quoi? Une aura qui réduit la vitesse. Hop. C'est quoi ce truc là? Qu'est-ce que j'ai fait là? J'avais un truc avant, j'avais pas mis un. Ah oui, bah je sais ce que j'avais pas. J'ai enlevé les. C'est la gemme. C'est là. Voilà, toc. Bon, bah c'est bon. Toc. Eh bah, yon, c'est. C'est une sacrée gymnastique hein, pour les gemmes. Ah, merci bien Guns Tuzo, merci bien pour ton conseil. On va voir ce que ça donnera, bah je pense à partir de demain. Puisque on va s'arrêter là. Demain, je sais pas quelle heure, quel moment tu serais dispo toi pour. Ouais, demain 14h, 14h30. Donc, bah, je vous donne rendez-vous demain, dès demain pour 14h, 14h30 pour la suite de Diablo 3. On va tester le conseil de Guns Tuzo, voir ce que ça donne les gemmes. En attendant, je vous invite pour le game du week-end pour ce jeu-là. Je sais pas si vous avez à lire, non, évidemment, c'est à l'envers. C'est Infamous Second Son. Jamais joué, donc je vais tester le temps de l'installer. C'est pour ça que je voulais quitter pas trop tard.
Donc j'ai testé ça, je pense que sur le coup de 9h, entre 9 et 10h. J'ai testé ce petit jeu, qui, on va voir ce que ça va donner. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de soirée, un bon début de soirée, ou une bonne fin d'après-midi, c'est vous qui voyez. Un bon appétit, bah, peut-être à tout à l'heure. Allez, salut!